Les regards appuyés dans la rue méritent-ils d'être condamnés d'amendes pouvant aller jusqu'à 750 euros? Les réseaux sociaux et asociaux se déchirent sur le sujet du projet de loi Schiappa, dont le vote a été approuvé, enfin approuvé par l'intermédiaire du vote à l'Assemblée nationale, 92 voix pour, 8 abstentions, 0 voix contre. Va-t-on assister à une police des braguettes dans les rues de Paris et de Navarre? Y a-t-il un nombre de secondes en deçà et au-delà duquel un regard vers une femme qui nous plaît est considéré comme intrusif ou pas intrusif? Bref, vous sollicitez, toujours baissé d'un octave comme disait Lucchini pour capter l'attention, vous sollicitez l'opinion de votre sociologue à lunettes préféré, voilà, qui vous répond même pendant ses vacances au Portugal, à Lisbonne. Alors, en l'occurrence, les choses sont un petit peu plus complexes. Vous allez sans doute me reprocher, comme à votre habitude, d'être entre le marteau et l'enclume, mais c'est parce que je ne suis pas un homme à système, je me méfie des systèmes et les évite, comme disait Nietzsche, donc je ne pense généralement ni complètement oui, ni complètement non. Et certains d'entre vous vont peut-être même m'accuser de marlénophilie. Ils auront également tort. Alors, la réalité, c'est quoi? Premièrement, cette histoire de sanction des regards appuyés n'existe pas. C'est un procès en intention qui lui est fait, et j'ai moi-même été victime de ce qui s'appelle les propos rapportés, les propos qu'on n'a pas tenus, à ne pas confondre avec les propos décontextualisés, les choses qui perdent leur sens ou qui prennent un sens autre hors de leur contexte d'origine. Non, les propos que l'on n'a pas tenus, j'en ai été victime par rapport notamment à cette histoire de dresser les femmes, où je me moquais d'un blogueur qui a tenu ses propos et où tout à coup ses propos sont devenus les miens et ont déclenché une polémique visant à m'exfiltrer d'une émission de télé populaire. Donc j'ai moi-même été victime de ce procédé, et je n'aurais pas aimé à l'époque qu'on le fît, même pas à Marlène. Bon. Donc cette sanction des regards n'est pas dans le projet de loi. Cette sanction des regards est dans une infographie sur le harcèlement blablabla, publié par le secrétariat de Marlène, mais avant le projet de loi, et elle n'y est pas explicitement mentionnée. Ce projet de loi, d'ailleurs, ne traite pas du harcèlement de rue spécifiquement. Ce projet de loi a de 29 pages, dont je vous mettrai le lien ci-dessous et dont je publierai les meilleures pages, les meilleures lignes, a pour objet de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et entre en résonance avec deux cas d'actualité récents où des fillettes pré-pubères et à peine pubères, ceux qui ont lu Lolita les appelleraient des nymphettes, Humbert les appellerait des nymphettes, Nabokov les appellerait des nymphettes, où des nymphettes ont été jugées responsables, entre guillemets, de leurs actes pour avoir consenti aux avances sexuelles d'adultes. Donc déjà, ma première réaction, c'est que centrer le débat autour du regard ou du sifflement, c'est procéder à un hold-up, de sens, à un hold-up idéologique d'un projet qui traite bien de la zone grise entre le viol et le non-viol. Le cœur du projet n'est pas le regard dans la rue. Ensuite, le regard dans la rue fait partie, sous certaines conditions, au même titre que siffler ou suivre quelqu'un dans le métro, d'un certain nombre de pratiques qui ne relèvent pas du harcèlement, mais du stress, de l'intimidation, et qui, en tout état de cause, sont dommageables à la bonne utilisation au civisme de l'espace public. Mais, encore une fois, ça c'était dans une infographie, ce n'est pas dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il est écrit que imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, crée une situation intimidante, hostile ou offensante à son encontre, pourra désormais faire l'objet d'une amende de catégorie K,
4 ou de catégorie 5. Les catégories 4 allant jusqu'à 750 euros, les catégories 5 allant jusqu'à 3000 euros. Donc, à un moment, Marlène porte déjà pas mal de charges sur ses épaules, notamment cette espèce de contradiction là, où elle n'est pas claire du tout sur Benalla, qu'elle protège et qu'elle défend becs et ongles unilatéralement, alors qu'il a ratonné, il a laté les jambes d'une femme, hein, d'une manifestante antifa. Bon, ça reste, même si elle est antifa, ça reste une femme quand même, place de la contrescarpe. Et là, Marlène, ça ne l'a... Oh, pardon, pour le bouton ouvert, je sais que vous allez me tacler là-dessus. Là, Marlène, ça ne l'empêche pas de dormir, évidemment, hein, car ça fait partie de son polygone de sustentation, le Benalla étant l'homme de l'ombre, étant le protégé de son patron, de celui qui l'a fait entrer au gouvernement, bah donc il fait partie du cercle, et donc on ne touche pas, hein, c'est la famille, hein, c'est la famille, c'est la mafia, on ne touche pas évidemment les membres du cercle tant qu'ils sont encore adoubés par ceux qui en constituent le centre, les piliers. Donc a priori, les regards de Lourdeau passeront entre les gouttes. Ça, c'est pour les faits. Alors, mon analyse et mon avis dessus, mon analyse sur la drague de rue, vous l'avez déjà entendu à de nombreuses reprises. Je pense que, pour faire une métaphore et ne pas me répéter tout le temps, c'est un petit peu comme la conduite automobile. C'est quelque chose qui, en théorie, est à la portée de tous, mais qui, en pratique, pour le faire bien, nécessite l'interprétation constante de micro-signaux, de distance, de direction, d'intérêt, de désintérêt, savoir lire le regard de l'autre, savoir entendre ses clignotants, ses indications, et finalement, fait mécaniquement, ça provoque beaucoup de micro-conflits. Hein. Vous savez que conduisez tous les jours dans le cœur d'un centre-ville pendant une semaine, et vous allez vous surprendre à insulter et verbalement les gens, voire peut-être même à descendre de voiture et à être prêt à jouer des coudes. C'est la réalité de tout chauffeur de taxi, de tout livreur de pizza, de tout chauffeur-livreur en fourgonnette. Donc, la cohabitation forcenée, très dense en termes de personnes au mètre carré, de gens qui sont confinés dans ce que Camus appelle une solitude peuplée, avec l'importation de populations qui n'ont pas les mêmes codes sociaux, avec la double injonction consistant pour les hommes à ignorer le corps des femmes, tandis que pour celles-ci, il faut qu'elles le mettent de plus en plus en avant pour s'accepter dans un contexte de compétition physique, de compétition sur la valeur physique, compétition sur la valeur physique faussée par l'utilisation abusive des retouches, des maquillages et des mises en scène, où les filles du quotidien sont confrontées à des filles sur les réseaux sociaux, des instagrammeuses, des influenceuses, des actrices, etc., truquées, améliorées, rempotées là où il faut, gommées, patinées, bref. Tout ça crée un beau bordel dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises. Mais voilà, petite vidéo courte. Rassurez-vous, entre guillemets, les amendes pour les regards et les sifflements ne sont pas prêtes d'arriver. En revanche, ça ne résout rien. Et voilà, et ça ne résout rien. Donc cette vidéo non plus ne résout rien du tout d'ailleurs. Mais bon, je m'étais promis de vous la faire. Je ferai, dans une série de vidéos prochaines, je ferai mon gouvernement, voilà. Je m'auto-proclamerai président de la République, donc je me donnerai un mandat de 7 ans, hein, à l'ancienne, à la Giscard. Je proclamerai mon gouvernement, je nommerai quelqu'un ministre de l'égalité homme-femme, et je proposerai une série de mesures visant à réguler les interactions homme-femme. Mais ceci, c'est pour une prochaine fois. Voilà les chatons. À demain ou à la prochaine. Je vais déjeuner, j'ai faim.